Bien, bonjour tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Réassembly. Réassembly, c'est trop bien, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi Réassembly? C'est un jeu de vaisseau. Attendez là, parce que déjà je vais faire un truc, parce que j'ai pas envie que ça vous pète les oreilles. Et vu que je sais jamais... Voilà, on va laisser juste la musique, un peu le SFX quand même, parce qu'il faut pas déconner. Et merci. Donc, on est sur Assembly qui est une espèce de shoot'em up gigantesque, un peu à l'ancienne, un peu rétro, pas de texture, pas de 3D, ici tout est en 2D vu du dessus, c'est ce qui fait le charme du jeu, j'ai envie de dire, franchement, je passe des heures sur ce jeu, c'est un truc de dingue, je saurais pas vous dire pourquoi, mais peut-être que c'est les graphismes que je trouve sympa et tout, c'est dynamique et tout, enfin bref, je saurais pas vous dire. En tout cas, Réassembly, c'est un jeu de construction. Enfin, un jeu de construction. C'est un peu compliqué. Il y a pas vrai. Ouais, c'est un shoot'em up, mais on peut tout simplement construire son vaisseau pièce par pièce. Mais vraiment, quand je dis pièce par pièce, c'est pièce par pièce. Je déconne pas, quoi. C'est un truc de taré. Les armes, on peut en mettre où on veut. Tiens, j'ai envie de foutre un canon sur le cul, hop, je le mets là. Et franchement, il n'y a aucune limite à l'imagination. La seule limite, c'est le nombre de points que vous devez upgrader avec votre argent. Tiens, je vais le faire. Hop. Ah, ça peut pas. Oh, ça peut pas. Oh oui. Oh là là. Oh, c'est très bien ça. J'ai plein de points là. Oh là là. Ouh. Ouh, j'ai plein de points. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi? Ouais, là, je sais déjà même plus ce que je vais faire. Ouais, fallait que je rajoute des réacteurs parce que. Parce que voilà. Pas très rapide le coco là. Thruster. Hop. Voilà, regardez par exemple ce qu'on peut faire, c'est faire des paquets de thrusters, des réacteurs. Hein. Hop, on sélectionne le tout et on peut... Enfin, c'est vachement bien foutu, quoi. On peut... Il y a une facilité pour faire son vaisseau, c'est un truc de dingue. Donc là, hop, CTRL-C, hop, hop. C'est d'une facilité, c'est hallucinant, quoi. Non, par contre, je vais les mettre plus en décalé comme ça, hop. Et celui-là, je vais le mettre ici. C'est un peu moche, ça ressemble à rien, mais c'est pas fait pour être beau. Non, par contre, non. J'ai rien dit, je vais pas faire comme ça. On va faire comme ça. Parce que là, le bloc que je viens d'enlever, c'est un bloc usine qui permet de construire d'autres vaisseaux, et il faut qu'il reste... comment dire... à l'air libre, en fait. Là, je vais augmenter sa taille, on peut augmenter la taille des objets, comme ça, c'est bien, hein. Je vais refaire un mur ici. Non, c'est pas ça. Si je commence à me tromper de pièce, ça va pas le faire. Hop. Là, par exemple, je vais faire la même chose. Hop. Et je vais prendre une coque comme ça que j'augmente à fond. Pour la mettre comme ça. Ah, c'est bien. C'est bien. Hop. Hop. Là, effet miroir. Tac. Au début, ça peut paraître compliqué à prendre en main et tout, mais franchement, non, ça va vite. Hein, ça va très très vite. Donc là, j'ai rajouté pas mal de points de coque qui ne prennent aucun point. On peut en mettre autant qu'on veut, ça c'est bien. Par contre, ça alourdit le vaisseau, donc il faut mettre des réacteurs en conséquence. Qu'est-ce que je vais rajouter de beau, moi, là-dessus? Déjà des boucliers, il me faut des boucliers. Parce que sans bouclier, je vais pas aller loin. Tel est le problème. Donc je vais mettre... un bouclier ici, c'est parfait. Je remettrais bien des armes. Proton Sword, non, ça c'est du caca, j'aime pas ça. Est-ce que j'ai des trucs à débloquer? Alors, torpedo, non. Burst laser, il n'y avait pas du laser un peu plus puissant? Si, laser là. You, ça. Portée 400. Et l'autre, le burst. Portée 1400, mais il sert à rien ce truc. Inexpressif, short range lager, deadly in quantity. Ouais, mais non, mais avec 900 de portée, tu veux faire quoi? Tu fais rien avec 900 de portée, je sais pas. Du coup, je vais pas mettre ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Plasma canon, portée 1300, 4 tirs à la seconde, ça c'est pas mal, j'en mettre ça c'est bien. Les gros canons, j'en ai pas mis encore, donc je vais en mettre à l'arrière, là. Nickel.
Là, il y a le centre de gravité de votre vaisseau, ça faut faire quand même... bon, il est au milieu, hein, donc, grosso modo, c'est ce qu'il faut. Le factory, est-ce que je pourrais le mettre ici? Je pourrais pas le mettre au milieu encore, il faudra que je mette autre chose. Si on remet un troisième, là... Ah ouais, des fois, ça se casse pas. C'est... On aimerait bien mettre un truc comme ça, mais non. Parce que le truc est un peu décalé ou quoi. Regardez, juste parce que là, au-dessus... juste parce que... Est-ce que je peux... Attendez. Voilà, juste parce que là au-dessus, vous voyez, ça se touche pas. Alors du coup, il y a un petit décalage, et ce qui fait que je peux pas mettre le canon comme... C'est un peu con, enfin bon. Bon, après, voilà, c'est normal, mais... des fois, c'est des trucs qui font un peu rager, quoi. Au pire, je mets un canon comme ça, ça va être super moche, tu vois, si je fais ça. C'est dégueulasse, quoi. Donc on va faire autre chose. Je vais prendre le... Un container. Est-ce que je peux mettre un container? Oh, j'en mets 4. 4 petits containers, comme ça, ça peut être sympa. Non, 3. Ouais. Oh, regarde, ça, c'est... Bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Je vais en mettre un autre un peu plus gros, cette fois. Ici. Je vais remettre des coques. Ah, je peux faire un truc, je... Attendez. Si je fais ça... Oh, si je fais ça comme ça, ça peut être très sympa, ça. Donc ça peut être pas mal du tout, ça. Hop, et ici, je pourrais mettre des missiles ou des trucs comme ça. Ouais. Missile launcher. Hop là, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. 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 Voilà, comme ça qu'on fait. Hop. J'en mettrai un là. Ça va faire beaucoup de missiles, tout ça. C'est pas grave. J'aurais peut-être dû mettre des drones plutôt, mais bon. Tant pis, c'est pas important. Hop. Au pire, je peux mettre des drones derrière. Je vais mettre deux poseurs de mines, plutôt. C'est vrai que je me suis jamais servi des mines, et ça peut être simple. Non, pas comme ça. Comme ça. Faut le mettre dans le bon sens, quand même. Oh. Je vais mettre deux poseurs de mines. Tac. Va falloir que je mette des réacteurs. Alors, je vais reprendre le modèle de celui-là. Hop. Ici, ouais, nickel. Ici. Et je vais mettre des drones. Drone launcher. Tac. Je vais peut-être pas pouvoir en mettre beaucoup. Ici, je peux pas. C'est trop pris. Donc, là, ça fait 4. Je peux en mettre sur le canon. Nickel. Ah, tiens. Merde. Dans le bon sens, s'il te plaît. Merci. Voilà. Je peux faire comme ça. Je peux en mettre là. Là, comme ça. Puis je crois que c'est bon. Et il commence à avoir de la gueule, le vaisseau, là. Non, sans déconner. Je suis à combien? 4800 points. Je peux encore mettre 900 points. Wow. Mais je sais plus quoi mettre. On va déjà rester comme ça, voir. On va le tester comme ça. Hop. Voilà, il se met en forme. Par contre, je suis en pleine baston. Quoi. Non, ça va, il tire tout seul. On va configurer les armes. Alors, qu'est-ce qu'il y a en left mousse? Ces deux canons-là. Moi, je mets tout en point défense. Je mets tout en point défense, sauf tout ce qui est missile, drone et mine. Comme ça, il va tirer automatiquement sur les ennemis. Mais on peut choisir de viser et de tirer. Mais moi, perso, je préfère foncer dans le tas avec tout en point défense. Voilà, il tire partout. Il cherche pas à comprendre. Il tire sur la cible la plus proche. Et c'est toujours sympa, quoi. Allez, vas-y, mets-toi en forme. Donc là, il y a des petits vaisseaux qui me suivent. C'est des vaisseaux que j'ai créés tout à l'heure. Avec un bloc d'usine. Bloc factory. Alors, lancer le missile, on va voir ce que ça donne avec les drones et tout. C'est bon, il a fini de se mettre en forme. Go! Niveau énergie, ça va, ça tient. Il lâche des mines. C'est parfait. C'est nickel, ça. Il lâche des petites mines et tout. Ouais, c'est bien. Ça va, ça gère. Ça gère. Par contre, faut voir ce qu'il donne en combat sérieux, quoi. Et niveau manœuvrabilité, il est déjà beaucoup plus manœuvrable qu'avant. Hein. Ça n'a rien à voir. Avant, c'était une péniche, le truc. Bon. Allez, un gros vaisseau. Ok, je l'ai vaporisé, le bordel. Allez, on capture la station. Donc ça, c'est grosso modo le but du jeu. On capture la station. Là, vous avez les stations qui vous appartiennent.
les stations à capturer, les wormholes qui permettent de passer dans un autre dans une autre galaxie et de uploader votre flotte sur les parties des autres joueurs. Donc ça c'est plutôt sympa, il y a une espèce de partage des trucs. Et ça c'est les flottes des autres joueurs qui ne sont pas jouées par des joueurs, il n'y a pas vraiment de multijoueurs. C'est juste que c'est des vaisseaux gérés par l'IA, mais qui sont créés par les autres joueurs. Et on peut tomber sur des trucs vraiment balèzes. Hop, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors là, il y a un wormhole. Il y a un wormhole. On va aller le voir. Eh, il est plutôt rapide, hein, ça va, c'est cool. Ah bah c'est mon territoire, ok. En fait, le wormhole, c'est mon territoire, qui n'était pas encore découvert. Je sais pas, c'est bizarre, des fois il fait des trucs bizarres comme ça. Je découvre un territoire, bah c'est le mien. Oui, bon. On va faire comme si on n'avait rien vu. Allez. On va les cap... Oh là, je vais un peu vite. Oh non. Oh, j'ai pris cher. Allez, cela on va se les faire. On les défonce, on les défonce. Qu'est-ce qu'il y a? Oh la vache. Oh la vache, oh la vache. Oh de Dieu. Je prends cher. Ah, je l'ai eu. À moi les ressources. Je l'ai eu tout simplement parce que j'ai réussi à atteindre la cabine du pilote en fait. Dès qu'on la touche ou dès que... Par contre j'ai pris cher, je peux plus bouger quasi. Dès qu'on la touche ou qu'on l'endommage fortement, le vaisseau ennemi explose quoi. Encore un gros là. Allez, on le canarde, on le canarde. Aïe, 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 c'est bon, je l'ai eu. Ah, ça va, il se défend bien, mon vaisseau, là. C'est cool. Au début, j'avais du mal et tout. Allez, on va ramener les ressources, parce que là, je suis plein à craquer. Dégage, toi. Allez, hop, on ramène tout. Non, ramenez pas ça à la station, ramenez ça à moi, plutôt. Ok, la station est pleine de ressources. On va aller à une autre. Ça va, je me fais de la thune, là, c'est cool. Hop, là. Parfait. Y a pas... Oh, il y a un agent au-dessus. On va aller voir l'agent. On va essayer de se mesurer à lui. On te dégage. Je vais vous montrer aussi après les tournois. On peut faire des tournois, c'est des combats gérés par l'IA. Contre les modèles de vaisseaux de vos amis en fait. Ce qui fait que vous pouvez vous mesurer à vos potes sans forcément les contrôler bien sûr. Et voir quel vaisseau est tout simplement le plus efficace. Pff, alors lui il a rien compris. Là il y a un vaisseau gigantesque. Ah, ils sont quand même puissants ceux-là. Hein. Faut pas les faire chier. Hein. Allez. C'est bon, je l'ai eu. J'avais un succès, Skull Slayer, d'accord. Ils sont nombreux. Et mon vaisseau, il a pris cher, il lui manque un morceau, là, je crois. Allez, go, je veux capturer la station... Non, je veux aller voir les agents, d'abord. Non, capturer les stations, d'abord, parce que si je meurs... Mon vaisseau, il a trop de mal, j'ai perdu des réacteurs. C'est bon. Toi, je te coupe en deux. Là, une station... Allez, allez, on cap. Voilà. Toi, tu meurs, toi, tu meurs. What? Non! Non! What the fuck? C'est quoi cette flotte de malades? Ah, je réapparais juste en dessous. Non, mais la vache! Wow! J'ai des armes plutôt puissantes, mais... Enfin, il y a des limites, quoi. Ouf. Il y a la station qui se défend un peu, mais bon, avec des armes... poivres. Aïe, 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 qu'est-ce qu'ils font mal, ceux-là?
J'ai plus de réacteur. Ah, oh, j'ai plus de réacteur pour reculer. Forcément, ça fait mal. Ah, je réapparais beaucoup trop bas, là. Oui, oui, à l'autre bout. Je réapparais à l'autre bout parce que tout simplement, le truc est plus safe. Donc, ça ne sert plus à rien. Oh là là, pff, ça ne sert plus à rien. Je vais aller tout de suite caper le trou noir. Hop là. Je vais faire stay here. Je vais gagner des thunes. Voilà, merci. Merci pour la thune. Je vais faire upgrade. Je vais racheter encore des points. Voilà, je suis à 6900, c'est pas mal. Je vais faire exit. Je vais faire save and exit. Et je vais vous montrer le système de tournoi. On a tout simplement les vaisseaux de nos amis Steam, etc. Donc, hop. Par exemple, voilà. Là, mon vaisseau, il est là à 6000 points, 6900, mais bon, il n'y a pas 6900, j'en utilise que 4000. Hein. Voilà, 4800 points, voilà. On va le faire se battre contre le vaisseau à 3200 points de Frank Viss, qui est un ami Steam, avec qui on parle souvent du jeu, etc. Il m'a dit qu'il a fait un vaisseau... bourré de laser, en fait, le truc, dès qu'il est près de toi, bah, il te vaporise, apparemment. Donc, on va voir ça contre mon... Bah, j'ai pas changé le nom encore. Ils s'appellent tous Interceptor, les machins, ça va pas le faire. On va voir ce que ça donne. Donc, le tournoi, c'est comme ça que ça se passe, t'as plusieurs rounds, et c'est géré par l'IA, ils se foutent sur la gueule, on a rien à toucher. Ouais, non, non, mais là, clairement... Oh, oh, oh. Ah ouais, quand même. J'ai perdu un bon morceau de vaisseau, là. Et il m'a tiré dessus que... Il m'a à peine tiré dessus, quoi. Enfin... Ah, mais il prend cher, quand même. J'ai trop de missiles. Ce qu'il faudrait qu'il fasse, en fait, c'est... Ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est mettre des lasers pour se défendre contre les missiles. Ça, j'ai pas... Ah, il a des swords... Mais il n'a pas de simple laser, en fait. On va essayer de se faire se battre. Est-ce que j'ai un autre vaisseau? J'ai celui-là, 1500 pp. Ouais, non, ça sert à rien, ça. 1516. Oh, remarque, quoique, même à 1516, il fait quand même très mal, celui-là. Hein. Faut pas croire, hein, cette faction-là, ils n'utilisent pas beaucoup de pp, mais ils font très très mal. Hein. Non, 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 allez, on laisse tomber. Enfin, voilà. C'était une petite vidéo sur Rassembly. Franchement, si vous pouvez, testez-le. Il est absolument génialissime. Moi, je passe des heures dessus. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut tomber sur des trucs, mais complètement what the fuck, et se faire des batailles épiques, de la mort qui tue, avec 40 vaisseaux contre 40 vaisseaux. Enfin, c'est un truc de dingue. Voilà, quoi. Dites-moi ce que vous pensez, si vous connaissez le jeu et tout. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Perso, moi je l'adore. Voilà, y a pas de. Voilà quoi, il est génial. Donc on va séparer ici, hein, c'était la petite vidéo pré-let's play sur Homeworld. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je voulais également remercier tous ceux qui étaient sur le live et les donateurs, hein, Killer et Storm, qui ont été incroyables pendant ce live. Merci à eux encore une fois. Et je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée, je vous dis à la prochaine, c'était Azarath pour Gaming for Fun, ciao tout le monde!